Bonjour les copains. Ah oui, ça commence, vous ne me voyez pas. Bon, vous allez voir pourquoi. Parce que je voulais vous mettre en garde avant de commencer, éloignez les enfants. Oui, parce que j'en connais un Jackie. Bah ouais, un Jackie, c'est comme ça. Traumatisé à vie. Traumatisé à vie. Oui, il a vu ça à l'âge de 4 ans, il s'en est parmi. Donc, pourquoi? Ben voilà, on y arrive. Eh oui, c'est le sèche-cheveux des poches. Alors, avec le tornado, le petit module qui chauffe et le casque qui chauffe. Est-ce que ça me va mieux que la casquette à l'ouvreur? Non, je suis pas sûr. Hein. Bon. Mais quand même, hein. Alors, merci aussi à Jérémy qui m'avait découvert ce magnifique casque transportable. Alors, il vient faire quoi pour qu'on va l'arrêter. Parce que il y avait donc l'aspirateur, le petit module sèche-chaleur, vous voyez, qu'on fixe dessus. Voilà, c'est ça, ce petit module qui se branche aussi dans le courant, avec une petite résistance et le casque souple. Bon, alors, tout ça, c'est le casque souple Tornado. Mais le casque souple Tornado, vous pouviez aussi l'adapter sur ce qui, à l'époque, je vais encore vous montrer le carton, je vais remettre la casquette, je me sens tout nu. Ah ouais, ça va mieux. Bon, alors, le casque souple Tornado, on reprend, qui s'adaptait aussi sur ce que l'on appelait à l'époque, et je vous le montre pas, hein, je vous le montre, la douche électrique. C'est quoi la douche électrique? Vous avez trouvé? La douche électrique, c'était ça. Alors celui-là, vous avez un modèle authentique, hein, un terre d'or, hein, entièrement bakélite, avec la résistance chauffante. Alors, je vous dis pas que c'est à la même puissance de chauffe que les derniers modèles de chez des hommes, hein. Mais enfin, il a l'intérêt de ne pas valoir 700 euros quand même. Hein. Bon, alors ça c'est un modèle d'époque. Après, j'ai deux autres modèles. Celui-là, le tout chromé. Hein. Qu'alors, bon, c'est un des plus connus. Hein, et bon, ça a l'avantage d'être en chrome, hein, pas du plastique de merde. Hein. Donc, le thermor. Et alors, c'est un modèle plus ancien, qui était un modèle professionnel, malgré tout. C'est assez curieux, il a une forme un petit peu bizarre. Hein. Alors, quelle est sa marque? Je ne me rappelle même plus. Alors, c'est un Manning Boom. Manning Boom. Manning USA, quand même. Bah ouais, c'est quand même assez rare. Hein. Alors, je vous avais promis déjà une surprise, ça c'est ça, mais je vous en aurai une autre, parce que sur le Tornado, il y a ce petit objet qui s'adapte. Et oui, très intéressant ce petit objet. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Alors, à bientôt !